400. Non. 4700 microfarad. Ou bien 1700 microfarad à 100 volts. 4 en parallèle, alors. Toutefois, la quantité d'électricité accumulée dans les corps ne peut pas se conserver. En effet, l'électrisation disparaît après peu de temps et le corps revient à l'état neutre. Comment est-il alors possible de conserver une certaine quantité d'électricité? Cela peut être obtenu grâce à un composant particulier appelé condensateur, que nous allons analyser en détail dans le présent fascicule. Le condensateur fut inventé au XVIIIe siècle par des chercheurs dont l'optique était de trouver le moyen de condenser et d'emmagasiner l'électricité qu'il pensait être un fluide, d'où le nom de condensateur. Calcul de la capacité totale de deux ou de plusieurs condensateurs reliés en parallèle, connaissant la capacité de chaque condensateur. La capacité totale de deux ou de plusieurs condensateurs reliés en parallèle s'obtient en additionnant leur capacité.